Wesh wesh canapé, aujourd'hui, j'ai pas de blague à faire, voilà. Bon, je peux pas être marrant tout le temps, ok, hein, voilà. Bon, en soi, le fait est que je n'ai pas de blague, ça peut devenir... Poisson, j'ai paniqué, je savais pas quoi dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept plutôt original, on va dire. Minecraft, mais je peux copier-coller les blocs, littéralement. Genre, je prends un bloc, je le copie, et je le colle. Genre, comme sur votre bureau, vous pouvez copier-coller des dossiers ou autres. C'est pareil. C'est un concept vachement marrant et intéressant que j'ai trouvé. Je me suis dit, pourquoi pas le faire? Aujourd'hui, je vais vous menacer d'une façon un petit peu particulière. Si vous mettez pas un like, je monte sur cette plaque de pression. Et vous voulez pas savoir ce qu'a fait cette plaque de pression. Donc mettez un like tout de suite, sinon je monte sur cette plaque de pression. Ok? D'accord? Bon, je pense que tout le monde a mis un like. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait rien du tout, je vous ai tous bait. Haha. Donc, je vous ai expliqué le concept. Je vous ai fait peur sans vous faire peur d'ailleurs. Moi, je dis, on peut y aller, c'est parti. Ok, bon, j'ai spawn sur une mini-île. Bon, c'est pour pas changer, ça faisait longtemps en vrai. Oh là, il me fait peur le poisson là-bas, là. Regardez, il nage tout seul, il me regarde. Il me fait vraiment flipper. Ok, j'ai trouvé un truc intéressant juste à côté de mon spawn. C'est un bateau. En espérant qu'il y ait du loot de fou. J'espère. Oh, ça je dis pas non du tout. Ça j'adore, moi je prends. Et le deuxième coffre, une carte au trésor, let's go. Bon, le concept est vraiment intéressant parce que je peux littéralement copier-coller des machins. Bon, je peux pas le faire comme ça, il faut que je me prépare. Je vais devoir créer un petit bâton qui va être un peu spécial. Pour pouvoir créer le bâton, je vais tout simplement avoir besoin de bois, ce qui me paraît logique. Et de moutons. Et bingo, juste à côté, il y a quoi? Des moutons, génial. En vrai, le bâton il m'a mis Gucci, j'ai déjà du stuff en fer. Je vais buter tous les moutons, parfait. Ok, comme vous pouvez voir, j'ai eu de la laine, donc c'est ce qui va me servir à créer le pinceau. Et j'ai eu deux bâtons. On met les bâtons ici, on met la laine là. Ok, c'est pas ça. On met les deux bâtons ici, on met la laine là. Ok, voilà, c'est comme ça. Copy and paste wand. Voilà, j'ai littéralement un bâton où je peux copier-coller les items. Bon, je vais vous faire un exemple. Vous voyez cette table de craft? Bam, je clique dessus. Et maintenant, je peux le copier-coller. Donc par exemple, on essaie sur la terre. Oh, j'ai copié-collé une table de craft. Ok, c'est beaucoup trop bien. Je ne déconne pas, c'est beaucoup trop bien. Donc, je pense que vous avez compris l'intérêt. Là, je vais me stuffer un petit peu et je vais descendre dans les grottes. Et littéralement copier-coller tous les minerais que je vois. Genre le fer, l'or, le diamant aussi. Donc, je pense que c'est plutôt cheaté. Oh, mais il y a un portail abandonné ici. Oh, mais attendez, regardez. Ok, si je fais ça, boum, je viens de copier de l'obsidienne. Et que je fais ça, normalement... Oh, c'est trop cheaté, c'est trop bien. Je vous jure... C'est trop bien. Je viens de créer un portail d'une façon trop facile. Ok, il y a quoi dans le coffre? Il y a des pommes. Oh, attendez, regardez. Si je mets des items aussi dans le coffre, normalement, si je ne dis pas de conneries, aussi copier-coller les coffres. Oh mon dieu, c'est le meilleur plugin. Je viens littéralement de copier les coffres, donc je peux copier-coller tout mon stuff en fait. D'ailleurs, j'ai une boule de feu là, donc logiquement, bam, je peux aller dans le nether si je veux. Ok, je vais faire un coffre un peu cheaté. On va le copier, on va le coller ici, on va le coller ici. On va le coller ici. Comme ça, j'ai trois coffres. Boum, et je peux récupérer mon stuff. Je vais prendre un coffre. Voilà, comme ça, je vais pouvoir copier-coller tout ce que je veux. Bon, je suis pas sûr, mais je pense qu'on commence très bien l'aventure, là. Je vais juste copier l'opsy. Comme ça, je vais pouvoir la réutiliser, en fait, où je veux. Au cas où, si j'en retrouve pas, donc, voilà. Ok, c'est parti à l'aventure. Bon, ne faites jamais ça dans Minecraft, c'est-à-dire creuser sous vos pieds. Moi, je suis un peu stupide, donc je le fais, mais le faites pas. La meilleure stratégie pour creuser sous ses pieds, c'est, voilà, trois blocs en bas, comme ça, on descend. Et on refait la même chose, trois blocs en bas, comme ça, on descend. Bon, là, l'objectif, c'est de trouver une mine et surtout trouver du diamant. Parce qu'avec du diamant, je vais pouvoir littéralement me faire des stuff diamant. Et c'est ce que je veux pour commencer, du stuff en diamant. Puis après, vu que je peux littéralement copier-coller n'importe quel bloc, je vais tout simplement faire des blocs de diamant. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Et là, il y a de l'eau derrière. Donc voilà, une grotte. Bonjour, je suis sympathiquement sympathique. Quoi? Il n'y a qu'un bloc de lapis? Ne bougez pas, j'ai une solution. Hop là, on le copie et on le colle un peu partout. Comme ça, ça me fera beaucoup de lapis. Ça me fume, c'est trop bien. Regardez-moi ça, je peux mettre des blocs de lapis où je veux. C'est trop bien, je vous jure, c'est trop bien. Hop là, on va les récupérer. D'ailleurs, ça me fait full XP quand j'y pense, mais bon, pas si c'est vraiment war. Un stack de lapis, je pense que ça devrait suffire. Je peux même faire ça avec l'or, Regardez, je peux faire ça avec tous les blocs, littéralement. Et c'est vraiment trop marrant, je vous jure, c'est trop bien. Qui me tire dessus? Toi là-haut, arrête. Ah ouais, j'arrête de me tirer dessus, non, tu me touches pas, tu sais même pas viser. Wesh, il est trop nul. Bon, je vais reprendre mes activités, parce qu'il sait pas viser. Je vais juste en prendre juste ce qu'il me faut pour me faire un bloc. Voilà, j'en ai 12, ce qui est largement suffisant pour me faire un bloc. Ok, je viens de trouver du diamant, nickel. Attendez. On va le copier-coller, on va le copier-coller partout. Donc je disais, voilà, j'ai du diamant à l'infini, donc c'est plutôt stylé, on va dire. Donc maintenant, si je fais la logique, bam, je fais un bloc de diamant, bam, bam, je les pose, je copie, je peux coller. Oh, c'est trop bien, je peux me faire une forteresse de diamant si je veux. Je vais transformer le monde entier en diamant. Ça me prend du temps, en vrai, mais c'est possible. Ok, et on peut récupérer les blocs de diamant. Il y a une autre chauve-souris qui vient de se suicider. Arrêtez! C'est quoi votre problème? Pourquoi vous vous suicidez? Ok,
Qui a demandé un full stuff en diamant? Bah c'est Ninjax. Et qui est déjà full stuff en diamant? Bah c'est Ninjax. Bon, c'est bien beau, je suis full stuff en diamant, mais il manque un truc, les enchantements. Faut que je m'enchante. Avant d'aller dans les heures, j'aimerais bien être un minimum enchanté même. Bah en fait, être enchanté en fait. Donc je vais juste récupérer un peu d'opsy. Oh, ça, vous me voyez à travers l'eau, c'est marrant. Et puis j'ai une petite idée qui peut être intéressante. J'ai essayé de trouver un temple du désert. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais pour un temple, mais dans les temples en fait, il y a des livres enchantés. Et je peux dupliquer les livres enchantés. Donc on va essayer de faire ça. Mais avant, je prends 4 d'opsy et je remonte. Ok, on va remonter gentiment, tranquillement, et puis voilà. Dans tous les cas, maintenant, les blocs d'opsy, je peux les dupliquer, vu que j'en ai au moins un sur moi. Et donc, vu que je peux le dupliquer, je prends d'avant à l'infini. Bon, bonjour. Ah, salut. Tu vas mourir, petit. Tu es mort. Ok, il fait nuit, c'est un peu nul, mais bon, c'est pas si grave. Bam, on va se faire un lit. Toi, je t'ai entendu. Oh mon dieu, mais il y a un what the fuck, il y a 4 creepers devant moi. 5 creepers, on va éviter, on va dormir. Allez les mobs, vous mourrez maintenant. Ok, donc là, objectif, trouver un désert et après on sera plutôt pas mal. On va aller par là-bas. Et regardez ce que j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé un temple, donc déjà là-dedans il y a quoi? Bon, il y a de la merde, mais bon, c'est mieux que rien. Et on va aller voir le temple, ce qu'il y a dedans. Je suis mort. J'ai failli mourir, hein. J'ai eu très très chaud, hein. J'ai eu très 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 chaud. Bon, le temple, dis-moi qu'il y a des trucs de fou à l'intérieur, s'il vous plaît. J'y crois moyen, mais au cas où. De la merde, des pommes, ça va. Un livre. Protection 2, yes. Ok, ok, alors attendez, je vais copier, voilà, et je me barre d'ici. Bam, donc là, j'ai un livre, 2 livres, 3 livres, 6 livres. Bon, j'ai bien fait de venir dans le temple, en vrai, ça m'a permis d'avoir du protection 2. Il manque du fer, donc on va le multiplier. Paf, paf, voilà, nickel. Je vous jure que le concept, je l'adore, le concept. J'ai tous les blocs de fer qu'il me faut, je vous jure, je trouve ça trop bien. Je me fais une enclume, parfait. Hop là, on met l'opsy comme ça, on met les diamants comme ça, table d'enchant, nickel. On va mettre le P2 sur tous les items, comme ça, on est plutôt bien. On est enchanté P2, moi je trouve ça clean. On va enchanter la pioche, efficacité 1. Donc voilà, là je pense qu'on est plutôt cool là. Plus qu'à choper une perle et un bâton de blaze, et on va aller fumer l'under. Je vais aller faire le portail là-haut là. J'ai juste besoin de copier-coller les items. Ça me fume, je peux vraiment tout transformer, hein. C'est ça qui est trop bien, hein. Je peux tout transformer, hein. Genre j'étais en train de transformer des cactus en sable. C'est trop marrant, je sais pas. Ok, il me faut juste, bam, je copie l'obsidienne. Ok, maintenant je peux faire littéralement ce que je veux. Donc on va juste faire un portail en bois, sauf que ça va être en obsi. Regardez ça, ça c'est de la belle magie, ça. Vioum. Voilà comment on fait un portail en 3 secondes. Et hop, on va dans le nether. Oh, un biome bleu, ok c'est parfait ça, je vais juste trouver un Underman là-dedans. J'ai même pas besoin d'aller voir les piglins, hein, en soi. Faut juste que je trouve un Underman qui me drop une perle et c'est finito. Salut mon pote, tu sais que je vais te péter ta gueule. Donne-moi ta perle, merci. Il me manque juste une forteresse et on est bien. Ok, je viens de trouver la forteresse, mais c'est la pire forteresse du monde. Donc je viens de là, regardez où elle est. Elle est encastrée dans je ne sais pas quoi. Je déteste les forteresses qui sont encastrées dans des milliards de blocs de netherrack. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de mourir, donc on va descendre doucement. Ok, je suis mort. Ok, je suis pas mort. Oh, j'ai eu méga chaud. Ok, si je dis pas de conneries, devant moi, il y a un spawner. Je vais juste faire un truc. On va coller, voilà, nickel. J'ai la flemme de retourner en arrière pour prendre mon portail de tout à l'heure. Ok, attendez, je vais essayer de... Oh, je peux le copier-coller. Oh, oui, mais ça fait des cochons. Voilà, donc on va créer 1 milliard de cochons. Ça me fume, c'est trop bien. Regardez, j'ai 1 milliard de spawners là. Aïe, me tapez pas pendant que je fais mon speech. Ok, c'est bon, j'ai eu un bâton dans le feu de l'action. Hop là, je copie ça. Et je vais tout simplement faire un portail directement ici là. Bam 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 bam. Voilà, nickel. Et on se barre de là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, en vrai, je pense que j'ai assez de lits là. On va péter la gueule de Under. C'est parti. Ok, dis-moi où c'est Perle. Ok, c'est par là-bas. Je pense que j'ai trouvé, regardez. Boum, ça nous emmène en bas. Donc je pense que c'est par là. Ok, ne creusez jamais sous vos pieds, moi je le fais parce que je suis un délinquant et que j'ai des pommes. Mais c'est vraiment juste pour ça que je le fais, hein. J'entends de l'eau. Ok, je pense que j'arrive à côté du stronghold. Eh ben non, c'est un mineshaft. Oh shit, putain, le stronghold il est vraiment à côté du mineshaft. Oh la merde. Oh, je suis remonté un peu, regardez ce que j'ai trouvé. Le stronghold, yes. Il était pas si loin que ça en vrai, donc ça allez. Espèce de bébé nul. Il arrivait à me taper à travers la porte, ce fou. T'es mort. Regardez ce que je viens de trouver. En vous, faudrait juste mourir, merci. Hop là, on casse. Il y en avait déjà 3 dessus quand même, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Je vais pouvoir aller péter la gueule à l'Under Dragon. Juste comme ça, je veux faire un test. Ah ouais, ça marche même avec... C'est des barres de rire. Après, je suis devenu un pro du speed... Après, en vrai, je suis devenu un pro du bridge avec mes sessions Bedwars sur mes lives.
Mais tranquille, tranquille. Bon, on a juste besoin d'attendre qu'il vienne au milieu et je le casse en deux. S'il te plaît, fais pas juste comme la dernière vidéo. La dernière vidéo, j'ai attendu 20 minutes comme ça, il est jamais allé au milieu. Hein. Je crois qu'il avait juste bugué, ça m'avait saoulé. Après, c'est peut-être le plugin qui l'avait fait bugger, hein. J'en ai aucune idée, mais j'ai attendu 20 minutes pour rien. En attendant, je vais recouvrir le sol d'obsidienne. Là, 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 on se fait chier pendant que l'Under bouge son cul. Later. C'est bon, je viens de buter l'Under Dragon, ça m'a saoulé. Voilà, GG, haha. Eh, deux fois que je le fais, deux fois que je me fais troll, ça me saoule. Bon, en vrai, quand même, le truc le plus marrant, c'est de faire ça, quoi. Bon, la prochaine fois, je buterai l'Under Dragon avec des items cheat. Au moins, ça sera plus simple. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se finit sur un super lever de soleil, donc c'est plutôt cool. Moi, en vrai, j'ai vraiment trouvé ça très marrant. Et de toute façon, regardez, je peux transformer tout mon monde en bedrock. Personne peut rien dire. J'essaye de transformer une plaque de pression. Ouais, ça crée un bloc, carrément. Bon, c'était Injax. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, à prochain live. N'oubliez pas de partager, vous abonner et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, ciao les gens.